Choco, choco. Le Gabon m'a dérangé. XXL au mic. On est avec Smileman et Richman. Et Richman. Après leur track challenge, alors les gars, vos impressions? C'était bien, c'est amusé. De toute façon, chacun connaît les sons de l'autre. Voilà, donc, voilà. Vous n'avez rien appris ce soir. Non, voilà, mais on travaillait ensemble en même temps. En même temps. Pour moi, ça. C'était le déconfinement total façon Internet. Voilà. D'accord. Donc, je me suis amusé. Et puis après, je suis vraiment, vraiment content. D'abord, je vais te servir pour tes idées. Ce que tu apportes dans le game, c'est nouveau. Au moins, les artistes... ne sont pas rouillés parce qu'à un moment, comme moi-même j'étais rouillé déjà, il n'y a pas de show, il n'y a pas de machin. Ouais, ouais. Donc, c'est un moyen pour moi de dérouiller, quoi. C'est un moyen pour beaucoup d'artistes en même temps de se dérouiller la voix en même temps. Aujourd'hui, pour moi, on s'est dérouillé la voix. Mmh. Voilà, d'accord, non, mais écoute, de rien, on fait ce qu'on peut, comme voilà. On peut. Nous, ça nous a fait plaisir parce que. On aime que toutes les tendances s'expriment, en fait, sur la page. Ouais. On ne veut pas se limiter à telle ou telle tendance. On essaie de faire en sorte que le maximum d'artistes gabonais puissent s'exprimer, quelle que soit un peu leur tendance musicale, au niveau du hip-hop et autres. Voilà, donc voilà. Donc, Richman, l'actualité, c'est le single qui sort tout à l'heure, là. Tout à l'heure, là, oui, tout à l'heure, ouais. À 10h. Rappelle-nous le titre. Le titre, c'est Toi et moi. Toi et moi, un titre que tu as fait deux fois pour être sûr qu'il ne l'oublie pas. Trois fois même. Donc, vraiment, Toi et moi de Richman, allez le chercher demain. Il va être disponible où? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, de streaming et sur Gestor et YouTube. D'accord, parfait. Donc, on a compris que Smileman, c'est un album que tu prépares tranquillement pour 2021. Papillon. Tu peux nous donner déjà un avant-goût de la tendance? D'accord. Déjà, My Girl était le premier son que j'ai présenté au tout début du challenge et à l'intérieur. Ouais. Donc, Papillon, c'est juste une renaissance parce que après, la chenille devient Papillon. Donc, pour moi, c'est juste une renaissance parce que j'ai pas envie de faire des musiques 100% gabonaises. J'ai envie d'exporter un peu mon talent ailleurs. D'accord. Parce que y a des sons comme After qui sont très connus. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être pu mettre un visage parce que des fois il y a des sons qui passent. On ne sait pas toujours nécessairement qui chante. Donc sachez que After, Choco, tout ça c'est Smileman. Voilà, Une Vie, c'est Richman. Et voilà, Dolo Massama. J'incite vraiment le public gabonais à ne pas se limiter au titre des sons, mais de se limiter plus à l'artiste en fait. Parce que quand vous vous limitez au titre du son, vous oubliez l'artiste. Et puis après, quand vous tapez des recherches, vous cherchez exemple Une Vie, au lieu de chercher Richman, Une Vie. Normalement, normalement. Voilà, donc essayez un peu plus de vous imprégner des noms des artistes. Ici c'est Richman, moi c'est Smileman, du label Smile Music. Moi c'est Miller Man Music Group. Voilà. Donc je remercie comme ça Patachou. Mon danseur toujours là, international. C'est Mister Patachou. Le Poulirin, toujours scientifique. Et Bulbi Omega. Le jeune que j'ai, on va dire, un peu formé, qui est maintenant signé chez Smileman. Ok. Bulbi Omega. Vous d'accord. De lui. Ça marche. Donc, Patachou et Bulbi Omega. Patachou qui nous a mis un peu l'ambiance dans le studio. Ouais, ben... Bulbi Omega aussi qui a montré ses capacités en tant que MC. Hein, donc, écoutez, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur la plateforme. Bonne continuation pour la suite. Richman versus Smileman Track Challenge. On est ensemble, la famille. Ensemble. C'est ça le way.